Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 2023 avec le Vietnam Bon mesdames et messieurs vous n'avez pas vu de vidéo hier, tout simplement parce que en fait je me suis pas préparé en avance et quand j'ai vu que oh bah tiens Oh bah c'est bizarre Il est 20h et que je n'ai même pas commencé la record, j'étais en mode ouh, ça va être un peu compliqué. Donc ça servait à rien parce que si je vous envoie la vidéo il sera 21h. 21h c'est un peu trop tard pour moi, pour, pour les vidéos qui sortent. 20h30 c'est à la limite ok. Mais si je commence à record à 20h, que je mette la vidéo à 20h25 sur YouTube, euh, le temps que YouTube le traite en HD, etc., ça va prendre 10-15 minutes. Donc ça va sortir à 21h limite. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, j'ai préféré ne pas en faire. Et du coup, là, il est 10h23 et normalement, vous aurez votre vidéo à 20h s'il n'y a pas de souci. Bref, mesdames et messieurs, on va commencer par un commentaire euh, dont je ne citerai pas le pseudo. Enfin, je citerai une partie du, du pseudo. Donc c'est <laughs> Rito 2437. Qui me dit, Francis, t'as dit que t'allais jouer le Congo, c'est vraiment le pays africain avec le plus gros potentiel. Alors je vais répéter encore une fois. Et je pense que je vais le mettre en description de chaque vidéo GPS 4. Parce que ça commence à m'énerver un petit peu. Sachant qu'en plus, <coughs> Rito 2437, j'en suis sûr que tu. Si tu me dis ça, ça veut dire que tu as déjà regardé mes vidéos. Donc ça veut dire que t'es pas un nouveau. T'es pas un nouveau. Ça veut dire que t'es un ancien. Donc ça, ça m'énerve. Je le répète et je le répète encore, arrêtez de me dire quel pays je dois jouer. Genre, s'il vous plaît. Vous êtes nouveau, vous me dites, ah Francis, est-ce que tu pourrais euh, jouer à, avec ce pays, etc. Je renvoie, bon, il est nouveau, il sait pas. Donc ok. Mais <coughs> Rito 2437, tu sais que j'ai dit que le Congo c'était cool et que j'avais envie d'y jouer un jour. Enfin, la République démocratique du Congo, pas le Congo. Euh, et, et, et pourtant, j'ai répété plusieurs fois, plusieurs fois qu'il ne faut pas me dire ce genre de choses, surtout les anciens, parce que ça m'énerve quand on me dit ça. Et bien, malgré tout, il me le dit. Donc, ça m'énerve. Donc, mm, mm, Rito 2437. Euh, oui, un jour, je jouerai la République démocratique du Congo. Oui, un jour, je ferai un LP sur la RDC. Mais actuellement, on est sur le Vietnam et on n'a pas fini le Vietnam. Donc, on ne fera pas du RDC. En tout cas, pas maintenant. Donc voilà, donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour les nouveaux, je peux comprendre, parce que vous êtes nouveaux, donc ok. Mais mm, mm, Rito 2437, tu sais que j'aime bien la RDC, que j'ai envie d'y jouer, et en plus tu me mets ce commentaire, ça veut dire que tu es ancien, tu sais déjà par avance que je n'aime pas quand on me pose ce genre de questions, donc désolé, mais moi ça passe pas, donc voilà. Euh, mais pour les nouveaux, évidemment, je ne vous blâmerai pas parce que vous êtes nouveaux, hein. je ne vais pas vous critiquer là-dessus parce que vous ne saviez pas, mais bon, euh, Rito euh, 2437 euh, le sait très bien parce que j'ai déjà dit... Parce qu'il me dit, Francis, t'as dit que t'allais jouer le Congo. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà vu mes vidéos auparavant. Donc, voilà. Bref. Autre commentaire de Romain Bossredon, 1776. Qui me dit Bonjour, Francis, as-tu des nouvelles pour le futur GPS Car il semble qu'il voulait refaire le jeu complet pour 2024. Alors, pas, pas du tout. J'ai pas eu cette information. Hein, qu'il semble vouloir refaire le jeu complet euh, Alors. Ah oui, alors, il compte faire un GPS 5, si on veut. Mais ils ont pas dit la date. Ils n'ont pas dit que ça sera en 2024. Il est très probable qu'on ait un DLC 2024. Ça, c'est possible. Mais par contre, qu'on ait... Euh, magnifique, ce pic d'inflation. Mais qu'on ait un tout nouveau GPS 5. Euh, non, ce n'est pas encore à l'actu... Enfin, ce n'est pas d'actualité pour le moment. En tout cas, je n'ai pas eu d'informations derrière Eversim. Eversim nous a dit qu'il travaillerait sur un nouveau GPS voilà, sur un nouveau GPS 5. Mais ils n'ont pas dit de date, ils n'ont pas dit quand, ils ont pas dit euh, qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté. Ils nous ont absolument rien dit. Donc actuellement... Pff, voilà, je sais pas. Donc euh, je sais pas. Euh, mais en tout cas, ça ne sera probablement pas en 2024. Mais c'est possible que ça soit en 2024 pour autant. Mais je pense pas. Mais c'est possible. Parce que j'ai vraiment eu aucune information là-dessus. en tout cas, bon, je reprends un petit peu au niveau du gameplay. L'inflation, c'est bien. Notre politique monétaire commence à fonctionner. Par contre, comme bon, vous. En, en lisant les commentaires et en répondant, je regarde aussi un peu les statistiques. C'est pour ça que vous me voyez un peu bouger au niveau du, de, de, de l'écran. C'est normal parce qu'en même temps, je réponds et je regarde les stats. On a quand même une bonne croissance. Hein. 5,4%. Attention, parce que si on a trop de croissance, euh, ça pourrait évidemment avoir un impact négatif sur l'inflation, étant donné que l'inflation augmente énormément lorsque l'on a trop de croissance. Et en fait, le seuil où on pourrait avoir une augmentation de notre inflation, ça serait le seuil des 7%. Même 6,5%, ça commence un petit peu à monter. Mais à 7%, il faut faire attention là-dessus, parce que évidemment, euh, c'est un peu plus compliqué. Alors, je dis... Les radios <laughs> radio et les télévisions sont bloqués sur les fréquences des médias d'État. Ceux qui écoutent d'autres fréquences risquent la prison. Les condamnations sont de plus en plus sévères prononcées à l'issue de procès inéquitables. Et les juges ne sont plus que de simples pantas du gouvernement. Mais comment ça se fait que les journaux ne soient pas d'État là Parce que là c'est pas bien ça, ce qu'ils disent. Médias. Sous la tutelle de l'État. Mais comment ça se fait que malgré que ça soit sous la tutelle de l'état, j'ai des critiques contre moi. Bon, la représentation de la violence, on peut faire contrôler censure, on va pas l'interdire parce qu'on a plein de jeux qui sont un peu violents. Ah, oh, ah, ok le record de fonte de la banquise en été alors qu'avant l'an 2000 sa surface en été était de 7 millions de kilomètres carrés nous avons atteint l'été dernier moins de 2 millions de kilomètres carrés ce qui fait exploser le précédent record de 2012 qui était alors de 4 millions d'après les experts du climat il y a une forte accélération incontestable du phénomène pourquoi euh, mon micro là, il bouge sur bs très bizarre en été aura lieu ce qui permettra alors de traverser le pôle nord sur un simple bateau. Alors, depuis que Microsoft a fait sa mise à jour de Windows, j'ai l'impression que ça remodifie les paramètres d'OBS. C'est vraiment insupportable. A chaque fois ça casse mon OBS. Donc je sais pas si mon micro est trop fort en fait. C'est pénible. Bon je m'écouterai après. Mais désolé en tout cas si le micro est un peu fort, hein. J'ai eu une mise à jour Windows il n'y a pas longtemps et du coup ça a cassé mon OBS. C'est vraiment pénible hein, de se conformer à OBS quoi. Enfin de se conformer à Microsoft. C'est vraiment pénible. Enfin euh, bref. Bon, on a une petite augmentation de la croissance de 0,06 c'est bien. De 0,06 points donc c'est pas mal. L'inflation, on a quand même cette tendance à la baisse. On vient de passer en dessous des 8% d'inflation donc c'est très bien. Euh, et qu'est-ce que je voulais regarder? Euh, oui, j'avais pas fini au niveau des commentaires. Alors, salut Franci. Donc, ça c'est un message de Aiden Moumen 7483. Salut Franci, ça fait bizarre, mais je crois répondre à ta question de qui est Alexei Dapov. Je crois que Alexei Dapov est l'équivalent sur GPS 4 de Alexei Navalny. Oui, c'est très probable. C'est extrêmement probable. De l'opposition en Russie contre Vladimir Poutine. C'est très probable. Tout à fait. C'est totalement probable. C'est même. Je crois que c'est ça. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc, euh, ouais, c'est très probable. Bon, en tout cas, merci, Hayden. Hein, hein. Et Hayden ou ou Hayden, je sais pas comment on le dit. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire. Et oui, c'est vrai que ça peut être Navalny. Hein. Tout à fait. Alors, la dette, la dette, la dette, la dette. Bon, la dette est pas mal. On est à 32% du PIB. Vous savez très bien que je n'aime pas cet indicateur parce qu'on euh, compare un flux et un stock. Un stock représentant la dette et un flux représentant le PIB. Comparer un flux et un stock, c'est un peu plus compliqué. C'est comme si on compare votre salaire, qui est un flux, à votre patrimoine, qui est un stock. Eh bien. Enfin, empiriquement, pourquoi pas Ça peut se, se, se défendre, on peut les comparer. Vous voyez bien qu'on fait le la, 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 la ratio entre dette publique en pourcentage du PIB, donc un stock versus un flux. En soi, il y a bien des, des études où on fait la comparaison entre le patrimoine, qui est un stock, et un salaire qui est un flux. Donc voilà, on a, on a ce genre de prérogative qui peut... Ok, pourquoi pas ah oui, c'est vrai, on a, on a fait. Euh, on a régulé des, des immigrés. Parce qu'on n'en a pas beaucoup en plus des immigrés. Hein. Nombre de clandestins. Voilà, ça a baissé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait les centres de rétention. Je crois que c'était juste pour tester. Déterminer la politique d'intégration. faire respectueuse et mesurée. Hein. La politique migratoire. En tout cas, c'est pas mal là-dessus. Euh... Interdire l'accueil des étudiants étrangers. Non. Ratifier la convention relative au statut des réfugiés de l'ONU. Déterminer les règles de naturalisation. Les règles de régularisation. Putain. Ah, ça, c'est plutôt intéressant ça. On va faire ça. Déterminer les règles de naturalisation. OK. Non, ça me va. Le droit du sol il n'existe pas. <tousse> Ok, on va pas faire ça. Réglementer le regroupement familial, conditionné, durée de résidence sur le sol, ressources minimum, logement garanti, âge minimum en cas de mariage. Ok. L'aide de retour pour les immigrés. Bon, ça, on... en vrai, on peut faire ça parce qu'on a quand même une croissance de notre population. On a une croissance de 1%. Donc en soi, ce n'est pas très gênant. Mais de façon générale, on a plus de personnes qui partent que de personnes qui viennent. Donc en soi, bon. Mais après, on a quand même une croissance de la population. Donc, euh... donc en soi... Ah oui, on a un feu de forêt. Putain, j'avais pas vu ça. Donc en soi, pourquoi pas... Hmm. Euh, population active dans l'agriculture purée, il y en a toujours énormément. Ah mais après c'est normal parce qu'on a annexé des... Le Cambodge, le Laos, c'est des pays qui ont une très forte vocation agricole, donc, où une part de leur PIB est très, très centrée sur l'agricole. Yes. 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 Super les aéroports sont terminés. cet aéroport il y aura du monde l'aéroport de Danang il y a du monde l'aéroport international d'hanoï il y aura du monde et ça c'est pas mal et au niveau des bateaux à part ça après on a que des, des, des vols singapouriens hein, en soi parce qu'on n'avait pas énormément de Hmm. Bon, par contre, très bien. On vient d'infiltrer un petit peu des, des gouvernements. Et ça, c'est très bien. Beijing, Viet-Douane. Ah, sympa. Notre Birmanie, c'est super. On commence à intégrer tous les gouvernements. C'est parfait. Malaisie aussi. C'est excellent. Loi sur la politique d'intégration. En super. À Donc, comme ça, on pourra. Bon, ça sera un peu plus difficile d'intégrer, mais au moins, bon, il y aura plus de plus de choses quand même à faire. Donc c'est plutôt bien. Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ah, décollage bientôt de lanceur moyen à lourd. Ah oui, ça, ça c'est bien ça. Par contre, euh, le nombre de pénitenciers ça se crée. On a un taux d'occupation des prisons qui baisse. Par contre, étant donné qu'on est en train de faire de bientôt qu'il y aura bientôt le, le lanceur moyen. À lourd, on va pouvoir créer du coup terre le super lourd, donc on va prendre tout en charge. On va faire sup lourd viette 1 tac. Donc, comme ça, on le fait. On retourne ici. On va faire dans programme, dans initiateur, pif, financement. Euh, le 11-10, s'il vous plaît, on peut le faire le, euh, le 21, le jour de l'anniversaire de mon frère. Bon, on va faire un peu plus, hein, du coup. Au pire, on le met le 12, le 10-12, donc le 10 décembre 2033. Alors, vous allez me dire, mais attends, mais euh, Franci, tu n'as pas le lanceur moyen à lourd. Oui, mais il va être lancé, donc en soi, ça va valider le programme. Donc parfait, on valide le programme. Il n'y a pas de souci. Difficulté actuelle du programme, mission préalable non terminée. Lanceur spatial moyen à lourd. Non mais non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, ça va arriver. Ça va arriver. Donc de toute manière, on est prêt. Mieux vous préparer à l'avance pour être bien tranquille. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Oh, c'est pénible de voir le OBS là en mode... Alors qu'il n'y a pas, il n'y a rien. C'est insupportable. Quand il y a des mises à jour Microsoft, c'est pénible. Je sais pas pourquoi je parle même pas. Et mon micro, il est en mode. Super chiant, quoi. Lancement du, du programme spatial, très bien. Création du programme spatial, très bien. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ah, lui, il va où Il va à Tianjin. De Russon. On a beaucoup de liens avec la Chine. Après la Chine, il y en a pas mal, hein. pas mal de choses. Feu de forêt. Allez, encore un milliard. Comme ça, vous êtes tranquille. Offre oh, rejetée pour l'Indonésie. Bon, ça c'est pas très grave. L'Indonésie, c'est longtemps. Nous avons toutes les technologies requises pour le lancement de la mission. Ah. Non, non, mais ne t'en fais pas, ça va passer. Ah mais du coup ils ont validé le machin C'est bon j'ai la tech Non j'ai toujours pas la tech. Qu'est-ce qu'ils me disent Les lieu dans une... Ah mon... Mon papa est décédé euh, Révolution au Laos, l'hebdo des mécontents. Monsieur le Président, une presse clandestine publie une gazette destinée à alimenter la haine en envers votre gouvernement. C'est pas bien ça. Ce journal intitulé Révolution au Laos est l'œuvre d'un groupe politique rebelle qui combat la législation interdisant les partis politiques. Nous n'avons pas encore réussi à interpeller ces insurgés, mais ça devrait tarder. Ben C'est très bien, il faut vite les détruire, ces gens-là. Euh, parce que évidemment c'est nous qui avons la grande puissance là-dessus et on est euh, légitime ça c'est pour aller en Inde ah non ça va au Royaume-Uni ah excusez moi c'est rare que je vois des avions à aller au Royaume-Uni c'est assez rare la France est ce qu'ils ont du coup des, eu des problèmes il n'y a pas longtemps euh, c'est pas ici c'est dans aide ils n'ont pas eu de problème. C'est un peu dommage. L'Allemagne, je pourrais améliorer mes relations, mais ils ont juste un problème et pas plusieurs problèmes. Donc ça, c'est un peu un problème. <laughs> bien joué, Francis. C'est très drôle. Bon, ça, il faudra qu'on regarde après. Mm -hmm. On va bientôt atteindre les 4000 milliards d'euros de PIB. L'inflation... Ah Bon, l'inflation, c'est bien. Ça diminue. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On a un taux d'intérêt directeur à 8 donc c'est pas mal. La Birmanie a accepté, super. Monsieur le président, il semblerait que vous ayez les moyens d'une politique étrangère aussi persuasive qu'efficace. Si j'en juge par le montant de la somme que vous avez eu la bonté de déposer sur mon compte en Suisse. Vous pouvez compter sur moi pour vous informer de toutes les opérations secrètes de mon pays. Bon, pas de souci, c'est très bien, comme ça tu pourras nous dire que ah euh... Le petit euh, président Coq euh, Nguyen... Putain, mais il n'y a que des Nguyen. Euh, il a fait autre chose que des aides financières des partis politiques. Genre, il a acheté une bombe nucléaire. Par exemple. Bon, par contre, pourquoi ils disent qu'on a zéro tête nucléaire alors qu'en vrai, on en a... NBC. On en a 65. On a 65... Euh... 65 missiles nucléaires. Donc bon. Je dis ça, je dis rien, mais... Bon, on a tellement de chasseurs ici, c'est incroyable. Et on en a combien 66. Ici, on en a un peu trop. On va, on va en donner un peu à la base qui est en dessous. Genre ici, parce qu'ils n'ont pas grand-chose. On va donner un peu des hélicos. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose, eux aussi. Oui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1-0 Exhibition Allez c'est parti En espérant que ça explose pas. Parce que sinon ça va être un gros problème. Attention, je suis un peu tendu. Bon, normalement ça ne devrait pas exploser, hein. on a fait tout ce qu'il fallait pour. Bon, ça n'a pas explosé, c'est très bien. Et en plus on voit deux trains qui partent, bah trois trains. Ok. Obsèque, bon, évidemment. 5,62 de croissance. Et quelle est la croissance mondiale On est quand même dans l'un des pays où il y a quand même pas mal de croissance. Bon, la croissance mondiale est plutôt bonne. Bon, ça va. Hein. Et attendez combien on est en puissance. Ah oui, on a une belle puissance économique. Bon l'Inde évidemment ça m'étonne pas. L'inflation, on est quand même l'un des pays oui, où il y a le plus gros taux d'inflation. Est-ce étonnant Pas vraiment. Et du coup, si on regarde au niveau de la recherche spatiale... Oh, Thaïlande, oui Très bien ça. On regarde au niveau des initiateurs sur le super lourd. Non, toujours pas fini. Le... La mission est en cours ici. Ça va prendre... Bah ben là, ça doit être fini. On devrait avoir les résultats. Toujours pas les résultats. Tout se passe bien. D'accord. Oh On peut applaudir, tout le monde peut applaudir. Hein. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Succès hier soir à la salle de contrôle dans une atmosphère de fête. Il faut dire que l'équipe de scientifiques avait des raisons d'être comblée après la réussite totale de son programme spatial. Le directeur du programme a salué les responsables politiques d'avoir pris l'initiative de cette longue aventure scientifique et d'en avoir réuni les moyens suffisants pour garantir sa réussite. Un grand succès pour notre nation, a-t-il conclu. Très bien et du coup ça devrait euh... marché conclu ici c'est ok marché conclu en Timor Oriental c'est ok information confidentielle oh bah ça commence j'ai les preuves que le gouvernement de la Thaïlande finance secrètement les terroristes de l'Indience indienne du Brésil qui sévissent au Brésil oh bah c'est pas c'est pas mal bon si t'as autre chose sur la Thaïlande euh, moi je prends hein. bon déjà on a des preuves Ah oh bah non, elle va bientôt partir. Ah non, c'est investiture. Ok, d'accord, pardon. Bah oh, ça, c'est excellent, par contre. C'est très, très bien. De belles informations, là. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Prise d'otage, super Monsieur le Président, notre programme s'est achevé avec succès. Cela constitue une étape préalable à la réalisation du programme Superloop Viet 1, dont l'importance est beaucoup plus grande, vous en doutez bien, pour notre conquête spatiale. Ouais, et du coup, maintenant, si on regarde au niveau des, des de tout ce qui est au niveau des, des initiations... Voilà Lanceur léger, on l'a fait. Lanceur moyen, à lourd, c'est OK. Et maintenant, lanceur... Pardonnez-moi. Ah, oula ouh. Ah, ouh Excusez-moi, maintenant le lanceur super lourd, on va pouvoir le réaliser avec succès parce que maintenant on a découvert toutes les technologies pour pouvoir réaliser ce programme spatial. Donc c'est parfait. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là évidemment pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et une très bonne journée. Salut à tous.